C'est une belle journée. Et voilà, c'est le fruit de tout un travail depuis longtemps. Et puis voilà, depuis septembre, on nage un peu dans le doute. Mais je sais que tout ce que j'ai produit cette année, même s'il n'y avait pas que de l'or, bah, c'est pour être prête sur ce genre d'événement. Et là, j'ai prouvé que voilà, je savais être présente quand il le fallait. Chérine, tu disais avant la compète, je viens en gros pour taper du poing sur la table. Tu l'as montré aujourd'hui, voilà, avec la manière, oui. 3 points, Ouazahari en finale. Elle était conquérante. Oui, c'est ça. J'étais là aussi pour bien évidemment gagner, mais avec la manière. C'est ce que je m'impose un peu comme thème cette année, on va dire. Voilà, j'aimerais connaître de plus en plus mes adversaires jusqu'à voilà, arriver à mettre des hippons à chaque fois et sortir de match en pas longtemps, un peu comme les grands champions. Et voilà, c'est cool, j'ai réussi à mettre en place plein de choses. Je suis contente. Comment tu vis la finale? Parce qu'il y a la pause docteur là, qui dure 3 ouais. minutes. Tu penses à quoi? T'es comment? Je pense à pas me refroidir. J'ai fait une bonne séquence, donc j'avais pas envie que ça casse mon rythme. Donc j'essaye de bouger un petit peu sur place et de remémoriser un petit peu le combat, ce que j'ai à faire, surtout ce que j'ai à faire, enfin, ce qui est important sur les mains, et pas subir, parce qu'en général, quand il y a des pauses comme ça, c'est vrai qu'elles arrivent un peu à la fraîche, un peu ce genre de choses. Donc rester concentré surtout et rien changer. Chérine, ton premier titre, tu l'as gagné, tu n'étais pas attendue. Là, tu étais attendue. C'est plus dur de confirmer, de gagner en étant numéro 1, ce genre de pression-là sur les épaules? C'est différent. Je ne sais pas si c'est plus dur, mais c'est différent. Après, j'ai l'impression que voilà, d'avoir ce statut-là, j'essaye de le vivre différemment, avec une certaine, j'espère avoir une certaine assurance et une certaine confiance en moi qui me permettrait de me libérer encore plus. C'est un peu la même chose dans le sens où quand on est l'outsider, on se lâche un peu en fait, on lâche les chevaux, on n'a rien à perdre. Et bah, là voilà, faut apprendre à avoir cet état d'esprit-là, mais différemment, parce que bah, c'est plus le cas. Et c'était une très bonne journée, je pense que voilà, il y a eu des combats, notamment la demi qui a été difficile. Mais j'ai su être forte et rien lâcher sur pourquoi, cette journée. Pourquoi difficile à vite? Trop d'impatience peut-être? Dans le sens difficile, globalement, si je vais la regarder de l'extérieur, je pense que c'était pas que j'étais bien, mais de l'intérieur, c'est vrai que je ressentais un petit peu de fatigue, puis un peu d'impatience, parce que je fais deux mouvements où c'est pas trop loin, il n'y a pas de pénalité, on part en golden score, je suis un petit peu à la ramasse sur une séquence, enfin sur quelques séquences, à un moment j'ai comme un petit trou et elle en profite. Et j'ai su un petit peu me remobiliser et passer le cap, parce que des fois j'ai ce genre un petit peu de défaut. Et j'essaye d'apprendre à surtout rien lâcher, même quand j'ai l'impression de douter. Je sais que je suis bien, même si je le ressens pas de l'extérieur. Ben, les coachs ils sont là pour nous faire comprendre qu'on est bien. Et voilà, j'ai rien lâché, j'y suis allée jusqu'au bout. Chérine, il y a marqué mini-corps, c'est ça, sur ta ceinture? Oui, c'est ça. C'est quoi, ça vient de c'est quoi? On me l'a offert, parce que voilà, on dit que bah, j'ai un petit corps, même dans les kimonos, ça me va toujours trop grand. Donc après, je suis la catégorie des moins de 48, c'est pas étonnant. Mais ouais, je suis petite et je suis toute menue, donc ça me va bien, on va dire. C'est une journée qui peut être dingue pour les filles, parce qu'il y a une Française en finale de chaque catégorie. Qu'est-ce que c'est? Vous étiez attendue, l'équipe de France, pour l'instant vous êtes là? Bah, je pense qu'on est une très belle équipe, une équipe forte, attendue par de nombreuses filles. Et je pense que oui, voilà, là j'ai un peu lancé le compteur. Je suis contente, j'espère que ça va reproduire la même chose après. Voilà, on a deux finales, c'est génial. Et oui, voilà, on est maintenant une très belle équipe de France et je pense depuis longtemps c'est comme ça, et j'espère que ça va continuer et qu'on sera encore meilleurs. Maintenant pour toi juste, c'est les championnats du monde? Oui, là voilà, comme je dis, j'ai envie d'être prête sur ce genre d'événement important. Les championnats, c'est là où il y a les titres. Donc je veux être prête pour cet événement-là, aujourd'hui je l'ai été, et je veux être aussi prête pour les championnats du monde et ramener le titre. Chérine, est-ce qu'on peut dire que c'est le pic de ta saison jusque... Pour l'instant, on peut dire que c'est le pic de ma saison, parce que ben, j'ai commencé cette année, et pour l'instant, de la victoire, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Merci Chérine.